Bonjour à tous et bienvenue sur Evelyne Coaching. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler santé publique, santé, hein, la santé donc de la femme plus particulièrement, et la femme de plus de 40 ans. Alors, je vais aborder un sujet qui est vraiment d'actualité sociétale. La ménopause. Alors pour toutes les femmes qui sont entre 40 et 60 ans, cette vidéo est pour vous. Je vais l'aborder assez simplement, hein, vraiment, c'est pour vous donner les grandes bases, hein, les grandes bases de cela. Donc ça sera le sujet, c'est la ménopause et ses symptômes et quelques astuces pour y remédier. Pour y remédier, quand je dis remédier, c'est pour vous soulager, hein, je rectifie, pour vous soulager, hein, de ces désagréments. Alors, tout d'abord, la ménopause, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, la ménopause, c'est donc l'interruption des menstruations de la femme. C'est quand vous n'avez plus vos règles, tout simplement. Et donc, comment est-ce qu'on peut évaluer le départ de la ménopause? Alors, il faut savoir que vous êtes en ménopause, chère dame, quand vous n'avez pas eu de menstrues pendant une année. Hein? Donc, si dans une année, vous n'avez vraiment rien du tout, aucune menstrue, alors là, vous êtes dans la ménopause. Ceci dit, je voudrais quand même signaler qu'il y a des cas de ménopause prématurée, hein, qui sont le cas de femmes qui ont la ménopause à partir dans la trentaine, hein, moins de 40 ans. Donc, ça peut arriver, c'est pas la majorité. Heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été pas drôle du tout, hein, pour toutes les femmes de la planète. Mais on a des femmes qui ont la ménopause prématurée. Ça peut être dû à beaucoup de situations. Hein. Ça peut être génétique ou ça peut être aussi des antécédents où la dame a eu un problème de santé qui a déclenché cela, ça peut beaucoup jouer aussi. Alors, je vais m'attarder sur les symptômes. Donc, on va démarrer les symptômes. Les symptômes de la ménopause. Alors, donc, tout d'abord, il faut savoir que la ménopause donne plusieurs, mais vraiment plusieurs symptômes. En fait, maintenant, ça varie en fonction des femmes. Ça varie vraiment en fonction de la femme. Il y a des femmes qui ont la ménopause avec des bouffées de chaleur. Donc, déjà, je vais plutôt aller dans le général, hein, généraliser un peu les symptômes. En général, hein, les femmes ont des bouffées de chaleur. Donc, ces bouffées de chaleur, ça peut apparaître dans la journée, dans la nuit. Ça peut être aussi accompagné de sueurs nocturnes ou pas du tout. Donc, ça dépend des dames, ça dépend des femmes. Alors, il faut savoir aussi que la ménopause peut entraîner les symptômes qui sont donc la baisse, hein, du contrôle de la vessie. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a souvent envie d'aller uriner fréquemment. Ça, c'est des choses qui sont un peu désagréables, hein, pour une femme. Hein. Bon, et maintenant, ça dépend, comme je dis toujours, des femmes. Hein. Il y a des femmes qui ont ce dérèglement, bon, au niveau de la vessie, c'est-à-dire qu'on a envie d'uriner. Il y en a d'autres qui sont plus axées sur les bouffées de chaleur, sur les sueurs nocturnes. Alors, retenez qu'on a ces symptômes-là. Donc, bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, baisse du contrôle de la vessie, donc envie d'uriner fréquemment. Ça peut entraîner aussi des infections vésicales, donc au niveau de la vessie.
sécheresse vaginale aussi, ça peut entraîner dans les symptômes, hein. On peut avoir aussi des douleurs au moment des relations sexuelles, donc ça, c'est des éléments qui peuvent intervenir, ou une baisse de la libido, on n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels, ça arrive chez beaucoup de femmes aussi. On a l'irritabilité, la fatigue, la nervosité, on est sur les nerfs pour un rien. Beaucoup de susceptibilité, c'est pour certaines dames. Il y a cette susceptibilité dès qu'il y a quelque chose qui contrarie ou qui vraiment ne va pas dans le sens. Bon, c'est exagéré, hein, ça peut être exagéré, une réaction disproportionnée, ça peut arriver. Trouble du sommeil, alors qu'on n'a pas du tout sommeil. Les migraines, ça peut entraîner des migraines, des étourdissements, des battements du cœur rapides. Alors ça, c'est des palpitations, hein, si je peux employer un autre terme, les palpitations. Et puis ça donne aussi les démangeaisons. On peut avoir beaucoup de démangeaisons dans le corps. Hein. Irritation même vaginale, ça peut entraîner. Donc là, c'est vraiment, je vous ai listé les symptômes généraux qu'on peut avoir, qu'une femme entre 40 et 60 ans peut ressentir. Donc c'est vraiment des symptômes à observer. Je vais reprendre. Donc les symptômes sont ébouffée de chaleur. On a des bouffées de chaleur, on a des sueurs nocturnes, on peut avoir aussi une baisse du contrôle de la vessie, on a souvent envie d'aller uriner, donc ça c'est des symptômes qui sont assez fréquents. On a aussi la sécheresse vaginale, on a les douleurs pendant des relations sexuelles, où on a la sécheresse aussi vaginale qui peut entraîner donc des douleurs, une difficulté au niveau des rapports sexuels, une baisse aussi dans les rapports sexuels, une baisse de la libido. Donc là, la femme n'a moins envie de rapports sexuels, l'irritabilité, la nervosité, la fatigue. On est souvent fatigué pour un rien, on a envie de rien faire, ça peut arriver, ça arrive même souvent, généralement, hein, globalement pour les femmes. On a aussi les troubles du sommeil, les troubles du sommeil, donc on dort très peu. On se réveille en pleine nuit avec des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur. Ça, c'est des choses qui s'accompagnent justement du trouble du sommeil. La migraine, donc des maux de tête. On peut avoir des maux de tête, des étourdissements, des battements de cœur rapides, des palpitations, démangeaisons dans le corps, hein, même au niveau même de la partie intime, on peut avoir aussi des démangeaisons, irritabilité, ça je l'ai dit, je veux dire irritation vaginale aussi, ça peut apparaître. Donc tout ça, c'est des symptômes à observer. Et puis si vous êtes dans la tranche d'âge de 40 à 60 ans, eh bien, donc il faut penser à cela, hein. C'est des petits signes, hein, d'alerte. Ne pas paniquer, il faut juste aller consulter votre médecin, votre gynécologue, votre médecin traitant, lui signaler ces symptômes, et je pense qu'avec lui, vous trouverez un moyen de pouvoir les alléger, les atténuer au mieux. Moi, j'ai quand même quelques petites astuces. Pour certains symptômes désagréables comme les démangeaisons. Donc les démangeaisons, vous pouvez porter un privilégié le coton, donc le textile, le coton.
que ce soit pour vos sous-vêtements, pour vos vêtements. Privilégiez le coton, ça vous aidera, ça va vraiment alléger les démangeaisons. Donc, vous ressentirez moins les démangeaisons, ça c'est un fait. Et pensez aussi à perdre du poids si vous êtes en surpoids ou si vous avez une obésité qui est là. Eh bien, pensez à maigrir, à perdre du poids. Cela va vous aider justement à ressentir moins fort les symptômes. Donc, c'est vraiment ces deux éléments, les astuces que je voulais. Ces deux astuces qui sont à penser. Et en troisièmement, l'alimentation. Pensez à changer votre alimentation aussi. Une alimentation plus saine, plus équilibrée, moins grasse, moins sucrée. Et vous verrez, vous pourrez agencer avec des compléments alimentaires aussi, qui va vous permettre de booster votre système immunitaire. Et ça va aussi vous atténuer tous ces symptômes désagréables. Et surtout, n'hésitez pas à consulter. Et si vous avez un médecin traitant ou votre gynécologue qui pourrait peut-être vous donner un traitement pour vous faciliter, ça peut être aussi le cas. Sinon, vous avez ces astuces naturelles qui est donc par exemple le textile. Changez votre textile, privilégiez le coton. Et surtout manger mieux. Alors manger sainement, ça je peux vous accompagner sans problème. Alors n'hésitez pas à me contacter pour les coachings en santé alimentaire pour avoir un régime adapté à votre situation. Les coachings en santé alimentaire s'adaptent aux situations, aux tranches d'âge. Donc si vous êtes ménopausée ou vous êtes dans cette situation-là, dans cette tranche entre 40 et 60 ans, eh bien, écrivez-moi à santé@evinecoaching.com, santé@evinecoaching.com. Je me ferai un plaisir de vous recontacter et vous accompagner au mieux pour que vous sentiez vraiment traverser, afin de traverser dans les meilleures conditions votre ménopause. En mangeant plus sainement, avoir une alimentation maîtrisée et saine. Ça, c'est un service que je peux vous apporter sans problème. Alors, concernant les démangeaisons, comme je vous ai dit, les textiles, vous avez aussi la possibilité d'appliquer des crèmes très naturelles à base d'aloe vera. Ça atténue aussi les démangeaisons. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Ça a vraiment été efficace. Ça vous allège une crème qui soit assez hydratante hein, parce que la peau est très sèche pendant la ménopause. On a tendance à avoir une peau vraiment desséchée. Hein. C'est dû aux hormones. Donc là, on a une peau qui est plus sèche que d'habitude. Donc, a besoin de beaucoup plus d'hydratation. Vous avez le karité qui est aussi possible pour vous atténuer ces démangeaisons, vous permettre d'avoir une peau plus hydratée. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être suivi au niveau de l'alimentation, au niveau donc de votre hygiène de vie corporelle. Je serai à même de vous apporter un accompagnement personnalisé au cas présenté. Donc, je crois que j'ai fait le tour sur les symptômes et puis je vous ai donné quelques petites astuces. J'espère que ça vous a plu. Je vais finir en abordant, en parlant de mon pack santé entrepreneur, qui est un pack qui a été mis en place, il n'y a pas longtemps. Et c'est dans l'objectif d'accompagner tous les salariés et les entrepreneurs, les actifs, qui ont besoin de suivi alimentaire, qui ont besoin d'avoir un régime soit pour perdre du poids ou stabiliser son poids, réapprendre à manger sainement et équilibré surtout, et pour pouvoir augmenter son capital vie et santé. Parce que quand vous avez la santé, vous pouvez entreprendre vraiment sans problème et vous avez la possibilité de vraiment réaliser vos projets en santé, en étant en santé.
J'ai également mis en place un pack solitude. Donc, ce pack Stop Solitude permet à celui qui est angoissé, submergé par les soucis quotidiens et ou souffre de solitude tout simplement, n'a personne à qui parler, eh bien, vous pouvez me contacter et on organise ensemble votre accompagnement afin que vous soyez moins isolé et que vous puissiez avoir les pistes pour pouvoir rebondir face aux difficultés du quotidien. Donc, c'est un pack Stop Solitude mis en place. Hein, j'ai eu à accompagner physiquement beaucoup de personnes. Et donc là, je mets en place un pack Stop Solitude en ligne, où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez réserver votre place de coaching à ce niveau-là. Votre pack, vous pouvez le réserver et on se recontacte et on met en place un programme qui vous permet d'être suivi de façon personnalisée. Ça peut être un suivi ponctuel ou dans la durée, selon ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul. Avec le pack Stop Solitude, vous n'êtes vraiment plus isolé, vous n'êtes plus seul. Il y a quelqu'un, une oreille qui est là, attentive, et je vraiment mettrai en place vraiment tous les moyens pour que vous puissiez rebondir, que vous puissiez reprendre goût à la vie et vraiment les forces nécessaires pour affronter les difficultés, les épreuves que vous rencontrez. Je vais m'arrêter là et je vous remercie pour ceux qui ont été connectés, même si c'est de façon brève. Et je vous remercie de suivre la vidéo dans son intégralité pour ceux qui l'ont suivie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réserver votre coaching où que vous soyez dans le monde. Vous me contactez à santé@evelynecoaching.com, santé@evelynecoaching.com, où vous pouvez remplir la fiche contact sur le site www.evelynecoaching.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, donc pour une autre vidéo. En général, je publie en moyenne tous les 2 jours. Donc, restez à l'écoute, restez connectés pour un prochain sujet. En attendant, portez-vous bien, excellente santé et à très bientôt. Au revoir.